lors de l'étape du Tour de France. Il y a 6 jours, c'était la 14e étape. Il va récidiver et couper à mi-chemin de quelques instants en se posant sur la 19e étape du Tour de France. Ici, entre Bourg-en-Bresse et Champagnole, un coureur qui a brillé également en se posant sur Paris Tour. Il va apporter à l'équipe Sunweb une 3e victoire dans ce Tour de France 2020. Gagné tout seul du côté de Lyon, 3e victoire en solo pour l'équipe Sunweb et la 2e sur le plan personnel de Søren Kragh Andersen, déjà vainqueur de Paris Tour, vainqueur d'étape sur Paris Nice et vainqueur de sa 2e étape du Tour de France. Décidément, il aime tout particulièrement le continent, ici même l'Hexagone, avec une nouvelle victoire française ici pour Kragh Andersen, l'un des meilleurs punchers du peloton mondial, qui est aussi un remarquable tacticien.